Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans le paradis des riders, ça s'appelle La Cage, c'est à Angers. On va tester plein de sports extrêmes, vous allez voir, c'est parti. La première activité qu'on va tester s'appelle le drift trike. Drift, ça veut dire glisse, donc aujourd'hui on va apprendre à glisser. C'est un petit parcours premièrement, on va essayer de se faire la main, je mets la GoPro, le casque. Et après vous allez voir, il y a un espèce de skatepark, on va tenter quelques petites figures. Et c'est parti! On va tenter le 360, je vais essayer de drifter et 360 repartir dans le même sens. Et je vais tenter du deux roues, c'est-à-dire être uniquement comme ça. Et on va voir la plus grande distance que je peux faire. Ça commence à rentrer. Avec le petit wall ride là. Bon voilà, on commence à manier un petit peu l'engin. En fait, on se rend compte que c'est pas forcément comme du karting, hein, ça sert à rien d'aller à fond. Il vaut mieux doser. Vraiment gérer la glisse, c'est toute une précision dans le pilotage. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler le patron parce que lui, il maîtrise. Et j'ai voulu le défier. L'idée, ça va être moi en vélo sur les bordures et lui avec cet engin-là. Qui ira le plus vite sur ce tour-là? On lance le défi. Donc Stéphane, le gérant de la cage, celui qui perd, il paye un polo. Ouais, ça marche. Allez. Allez, c'est pas très large. Hein. En plus, ça tourne. Ouais. Moi je croyais que j'avais aucune chance. J'ai bien essayé de tricher par là, mais on va dire 1-0. On peut se faire un autre truc, regarde, il y a une cage. Regardez, juste ici, il y a une cage là. Moi ce que je te propose, je me mets en haut, toi tu te glisses autour. On fait un peu un remake de Gymkhana, ceux qui connaissent. Moi je te lance un défi maintenant. Il m'a dit qu'il était chaud. Une rampe là, normalement, on doit pouvoir sauter. C'est chaud ou pas trop? Moi je suis chaud du défi. Je tente le transfert. Non, tu le fais. Ok. Au pire, il y a du crash, donc restez bien les gars. Je te mets au défi de passer sur la rampe d'arbre. L'idée c'est de grimper, de faire le tour et de redescendre avec vous. Ça me semble jouable. Il a mis le casque quand même pour l'occasion. Sécurité d'abord. En vrai, ça paraît chaud. Je sens pas du tout. C'est les joies de YouTube. On tente des trucs qu'on maîtrise pas. Un peu plus de vitesse. Ouais, un peu plus d'élan là. Hey, c'est pas mal déjà. Bon, je vais m'arrêter là, j'ai eu un accident. C'est cool. Un peu cavalier. Bon, allez, le vélo. C'est parti. Tu m'avais dit monter sur la barrière, mais une barrière qui bougeait pas. Allez, parti. Ok, ok. Allez, à 3 mètres à droite là. Ah, y'a pas de quoi, t'avais pas vu là. C'est quoi ce tuyau? Attends, faut que ça passe. C'est un parcours avec un sac en plus. Pas rigolé, je n'avais pas vu ce tuyau là. C'est pas mieux. Ça
donné chaud. J'ai vu qu'il y avait une vague. On va surfer un peu. On se rafraîchir. Ouais, on va se rafraîchir. Ouais, grave. Ça va. Deuxième discipline, vous allez voir. Parti, c'est juste là-bas. Les fils du patron viennent de nous rejoindre, Jules, Paul, qui vont nous faire une petite démonstration. Ils vont m'apprendre. On va commencer avec le bodyboard. Bodyboard, c'est ça. Et après, on essaye donc le surf. Ça va être beaucoup plus compliqué. Donc pour moi, l'idée, ça va être déjà de tenir debout. Et Paul, on te lance un défi, le flip, un tour de planche comme ça. Jules, c'est toi l'expert. Qu'est-ce que tu as la vague ? Comment ça fonctionne ? Il y a 4 grosses turbines qui envoient l'eau. Donc l'eau est remontée vers le mur là-bas. Et on descend dans la vague. Là, vas-y, on lance la vague. Allez, c'est parti. Parti. C'est bon, on a réussi 2-3 trucs. Ouais, mais franchement, bah, non. Plus sûr, Polo, là, c'est à toi, là. Est-ce que tu sais quel pied tu mets devant ce coup? Régular. Tout régular, on va partir là-bas. Bon, du coup, il a réussi son défi. Bien joué, les gars. Yes. Du coup, il reste plus qu'une seule activité, c'est le trampoline. On se change et c'est parti. Ok, là, on vient d'arriver sur la partie trampoline. Il y a un parcours Ninja Warrior qu'on va faire tout à l'heure et je vais vous défier. Et là, on va sur une slackline. Vous allez voir, on va essayer de la traverser. Bon, la slack, c'est passé. Il faut un concurrent pour le deuxième exo, c'est le combat des cotons-tiges. Oh oh. À la fin, j'avais plus le bâton, je suis foutu avec les mains. Okay. Ah. Yeah. 2-0, voilà, c'est ma vengeance sur le surf de tout à l'heure, ça. Du coup, on a trouvé quelques petits trampos et surtout des marches ici. Ça va me rappeler le trial. Donc j'ai pris le vélo, t'as pris le wake. L'idée, ça va être de monter dans un premier temps, saut ici. Et après, essayer de monter là, déjà à pieds joints, voir si c'est faisable. Ok, ouais, ça passe. Maintenant, avec le vélo entre les jambes, ça va être la même. Yes. Oh, on va traîner 10 jours. Wow. Bon, pas grave. Bon, ça passe, j'ai pas vraiment fait des figures. À toi. Voilà. Ça passe. Bon, on termine cette partie trampo avec quelques petites figures que j'ai appris dans les dernières vidéos, souvenez-vous. C'est le petit onglet qui s'affiche. On va l'appeler Martin. Salut, toi proche. C'est la partie trampo, on change de spot. Ce beau salto, on arrive maintenant sur la partie Ninja Warrior. J'étais allé en finale de l'émission Ninja Warrior, donc là ça va nous rappeler quelques petits souvenirs. L'idée, ça va être de faire le parcours élite. Ceux qui sont sur Angers et qui vont à la cage, je vais mettre le chrono, il est juste là-bas. Mettez dans les commentaires votre temps, on termine la vidéo là-dessus. Allez, c'est parti. We'll be right back.
Voilà, 1 minute 54, c'est le record à battre. À vous de tenter, à vous de venir essayer. C'était la cage à Angers, on les remercie. Donc le nouveau rendez-vous, c'est lundi 18h. Donc abonnez-vous, activez la petite cloche, comme ça vous êtes au courant de la sortie de chaque vidéo. D'ici là, Instagram bien sûr, on se dit à la prochaine. Ciao les gars. Ok les gars, maintenant c'est à vous de vous abonner, à lâcher le gros pouce bleu. Et ma nouvelle boutique en ligne est disponible, c'est sur aurelienfontenoy.fr. À la semaine prochaine. Ciao.